Bonjour, c'est The Tyrène en compagnie d'Azeld. Bonjour Azeld. Salut tout le monde. Donc, c'est la suite de la vidéo de Escape the Lab hein, que vous avez déjà dû voir avant. Si vous ne l'avez pas vue, je vous mettrai un lien pour aller la voir. Très important de la voir. Donc, on était dans cette salle où on venait de passer. If you read this scene, you probably forgot the code. Si vous lisez ça, vous avez probablement oublié le code. Non. Non. Heureusement, on y a pensé. Enfin, penser, c'est une façon de parler. La dernière fois, je vous ai laissé sur le cul, on va le dire. Parce que on vous a montré cette map, cette salle, et Azeld vous a dit qu'on allait galérer, mais en fait, pas du tout. Parce que je me souvenais d'avoir lu un livre, que vous avez peut-être vous aussi remarqué, hein, et dans les livres qu'on a lus, heureusement qu'on les a lus, à la 10e page, après 8 pages vides, il y avait un code. Donc ce code, c'était 1. 5, il est où le 5? Il est là. 1, 5, 7, 4. 7 et 4. Il est où le 4? Là-bas. Attention. Et voilà, ça ouvre la porte. Donc c'est super. Donc voilà, si vous avez oublié, vous avez qu'à regarder. Je vérifie qu'il n'y a pas de coffre. Non, c'est bon. Émeraude. Oh, j'en avais. Oh mince, tant pis. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je fais demi-tour pour aller la poser dans le Nord-Chest ou on continue? Pas mal. D'accord. Maintenant, essayez de sortir de la librairie. T'es gentil, je vais poser l'émeraude. Je sens la bêtise là-dedans. Là, je peux pas, la porte est fermée. Je sens la grosse bêtise là-dedans. Bon, j'ai une émeraude aussi, mais tant pis. Hein. Sortons les épées. Oh, oh c'est toi. Ouais. C'est un peu haut. Ah, ça doit être un truc de jump, je pense. Ouais, Ah, mais j'ai trouvé une entrée. le début. Là. Est-ce que tu me vois? Ouais, c'est bon, c'est C'est fini. nickel. Oh, punaise, ça va être marrant Il ça. faudrait que tu me... T'as combien de bouffe? Merde, t'as combien de bouffe, toi? Je suis full. Faudrait que tu me passes le steak. Tu veux le steak? Aïe. Je te le jette. Hop, voilà. Parce que là, je ne régène plus. Eh bien sûr, c'est pas là qu'il faut aller. Bon. Hop. Bon, je me débrouille pas trop mal en fait, je trouve. Hein, si, ouais. Bon, faut pas que je tombe, quoi. Est-ce qu'il faut aller là? Est-ce qu'il faut pas y aller? D'où notre faillite. J'essaye. Ah! Oui. Mais t'es bien. Ça passe, j'en ai aucune idée si ça passe. Ouch. Ça va, on y va assez rapidement. Est-ce qu'il faudrait pas aller plutôt là-bas? Je sais pas, je sais pas où le truc, c'est chaud. C'est assez C'est chaud, ouais, ambigu. je Je te vois, je vois plus rien. Voilà, merci. Je vais essayer. 1, 2, c'est trop haut. Tu essayes où? Là-bas? Ouais, et ça passe, mais ça se fait un peu plus. T'as nulle part, t'es sûr? Ah si, Si t'as mais un trou là-bas, vas-y. si ça passe, Je mais vais essayer autre chose, mais ça passera pas. si c'est ça, je me... Non mais le jump quoi. C'est ça? Non mais non, c'est pas possible. Wow. C'est comment tu Ah! veux réussir? C'est assez dur. En fait, ça avait l'air simple au début. Ça avait l'air. Parce que les premiers sauts sont faciles. C'est combien qu'on peut sauter dans Minecraft? Ça doit être dans les 5 blocs, il me semble. 5 blocs à plat, un truc comme ça. Mais en comptant tous les blocs, hein. Bah en fait le saut il fait plus 5 blocs. C'est pour ça que je me pose la question. Ouais, oui, ça doit être ça. Parce que là ça pourrait passer mais... Chocolat, je tape le bord, j'ai pas. Chocolat. Tu as dit chocolat. Bon, ben, chocolat. Ben, écoutez, chocolat, C'est voilà. chaud. On sait pour... On sait pas pourquoi. Ah, c'est chaud. C'est chaud. Ah! C'est Nicolas quoi. C'est chocolat. D'accord. C'est chocolat. Bon. Ah ça passe. Wouah. Ben, moi, pas. Bah regarde où je suis en fait. Coucou. Ah oui, t'es haut. T'es haut. Ça change de d'habitude. Oh, c'est Oui, méchant. pour ceux qui ne savent pas, Azeld est tout petit. Oh, c'est méchant. C'est... Tu Oh! m'as fait tomber en plus. Tu m'as fait faillir, méchant. Aïe! D'abord. Si tu veux, toi d'abord, mais tu me tapes pas, j'ai presque plus de vie. Mais t'as pas. Ah oui, t'as plus de bouffe, non? Ben, si, j'ai de la bouffe, mais je suis mort. Enfin, je suis tombé plein de fois. Et puis, je régène doucement, on est en normal. Azeld est tout petit, tu crois. Je me laxe Calme ton pas. zizi! Non. Oui, je l'ai dit. Oh merde, ça passe pas. Oh, Oui, ça passe. c'est un peu comme Non. ça. Oh. Alors c'est là que tu vas voir que tu vas falloir un monde d'essai. Tu montes depuis là pour arriver à faire ce saut. Bah, j'ai fait du premier coup. Non, celui-là. Non, pas celui-là, celui que j'essaie de faire depuis 10 minutes. Pas 10 minutes. Merci. Bon, ben, si je parle pas trop, c'est qu'on est vachement concentré parce que Tu me gueules là. c'est. T'es en plein milieu. Bon, vas-y, je vais te laisser faire parce que. Bah, vas-y. Montre à quel point tu es. Vous allez voir, comme quoi je suis super, super nul. Vas-y. Aïe. Tu peux te pousser si tu veux. Non, mais il faudrait que tu t'enlèves surtout pour rien. Merci. Et Ah là. ah.
Ah, je me suis pris le mur. Attends, je vais juste faire un truc. Je me suis encore pris le mur. Voilà, je vais t'attendre là. Et c'est ce saut-là qui est complètement impossible de faire. Ah bah allez, si tu me sautes dessus, forcément. Vas-y. Oh, il est pour vrai. Et alors là, ce saut-là, je te souhaite... Il faudrait que tu décales sur la droite, s'il te plaît. Mais je vais descendre, je vais. D'accord. Là, je te souhaite bonne chance. Oh c'est horrible. Non. Non, c'est pas possible. Oui! Oh, GG! Je vais me planter. Non, c'est bon. Fais gaffe, je suis tombé après tout à l'heure. Il y a un endroit où c'est. Alors là. Genre. Là. Bah, en fait, je sais pas où on va aller. Alors réfléchissons doucement. On ne peut pas sauter. Ça ne changera pas d'habitude, ça. Merci à Zelda. Je suppose qu'en passant ici, on pourrait aller. Suppose trop. Là. Suppose de Satan! Après, les suppositoires, les suppos de Satan. Si j'arrive à la porte avant toi. Ouais, 3. Oh, ouais, mais c'est vachement bas. Si je vais là-bas, bah je serai bas. Buster around the world. Putain, mais il arrive pas à passer. Alors, que je réfléchisse une seconde. On va essayer de passer par là. Ah. Si t'arrives avant moi, je vais vraiment. J'y suis. T'es sérieux? Il y a juste un problème. C'est un fouet de deux? Non. Faut quelque chose pour ouvrir la porte. Un arc? Non, regarde. Attends, reviens là où t'étais. Non, bon, bah moi je vais rester là. Va au bord de la map là-bas, tout à gauche. La dernière rangée, voilà. Avance un peu et regarde au-dessus de toi. Stop. Reviens en arrière. Au milieu, saute, tu devrais y voir. T'as un petit bloc de neige. Va falloir le casser et activer le levier. Ah, c'est emmerdant. Attends, je vais. Il est dans le mur. Bon, bah nous allons attendre l'arrivée d'Azel, hein, pour changer. Non, mais attends, et le labyrinthe, ça te. Non, non mais justement, pour changer, il n'y a pas d'ironie, ne t'inquiète pas, c'est juste. Pas... Moi, je suis nul en saut, lui est censé être bon. Censé, ouais, mais. Je suis censé être bon. Censé, même s'il y en a un dans son nom, mais c'est pas grave. Quoi? Bah oui, Loïc, il y a un C. Bah, c'est pas grave. T'es pas obligé de faire un jingle non plus. Bon, bah en attendant, on va lire le panneau. Et si tu relisais les bouquins. It's the drawings. Ne parle pas des bouquins qu'on a perdus dans la lave. Si tu ne m'avais pas poussé aussi, je ne serais pas mort. Attends, on a regardé la vidéo, hein. Tu m'as donné poussé 3-4 fois, tu sais. Allez, mais c'était pas volontaire. Ouais, c'est ça. Le mec, il me regarde, il prend mes haltes, il met son curseur sur moi, et puis... Eh, mais à un moment, je pensais que t'étais parti. Après, t'étais toujours là. Forcément, je pouvais pas deviner. Bon, laisse-moi lire ce panneau pour les viewers qui attendent que ça, parce que je suis face au panneau, mais ils l'ont lu. Et voilà. If the door is closed, you didn't find the lover yet. Ha ha. Oui, bah on avait remarqué hein, qu'on n'avait pas trouvé le levier. Faudrait-tu juste... T'as pas un arc et une flèche pour tirer sur la mouche de la neige? Si, j'ai un arc et une flèche. Ben, c'est parfait, parce qu'en fait, je sais pas trop où est la neige. Alors, est-ce que t'es monté tout en haut? Oh mon dieu! Tout en haut, là où tu es en train de sauter, il y a un bloc de neige. Au plafond. Regarde le plafond au-dessus de toi. Il y a du fer, je te jure, il y a du fer. Eh non, il y a un bloc de neige. T'es trop loin, dans le coin. Ah si, je... Waouh. D'accord. Tu sais, là, le saut qu'on n'arrivait pas, quoi, au-dessus. Bah, c'est là où je suis, tu vois. Et je commence à plus avoir de vie. À force de sauter comme un con. Je vais tomber. Je t'ai mis une flèche. J'ai vu, non, mais je l'ai. J'arrive à voir. Et le levier devrait se trouver... Ouais, sinon tu fais un slash feed sur toi pour... Non mais... Il y a pas de cheat. Et le deuxième il devrait se trouver au-dessus de ma flèche que j'ai mis... En dessous de la flèche non, que j'ai mis. C'est un coffre avec une bombe. De quoi? Bah ta flèche. La première ou la deuxième? Celle qui est au-dessus de, du saut. Bah maintenant regarde... Alors est-ce que tu vois les merde comment ça s'appelle? Les luminites. Oui, j'ai réussi. En français... Attends, Glowstone. Glowstone, merci. Pierre, celle du haut, tu regardes sur le mur où je suis. Donc le mur où je t'ai dit tout à l'heure de la dernière rangée, est-ce que tu y vois maintenant? Ouais, en dessous de la troisième luminite en partant de la gauche. Attends. Pas celle du milieu, celle qui est à côté, à droite. Attends, je saute. Ça me fait. Ah mais tu peux pas sauter là, ici. Pas que je me fais. Pas que je me fais. Bon, où ça? Il va falloir que tu sautes entre les deux. Normalement, tu vas avoir deux blocs, deux pics. Le... Et entre les deux, en bas, dans un coin, il y a sûrement ce qui doit être le levier. Ouais. Casse. Émeraude. Emeraude. Il y a un autre bloc de snow là-bas. Où ça?
Ah, oh, je vois le levier. Regarde Loïc. Oui, non, mais attends, moi je vais chercher l'émeraude. Là-bas. Tu l'as vu? Ouais, j'ai cassé l'émeraude. Est-ce que tu l'as vu? Là-bas, suis ma flèche. T'es pas sérieux là. Oh, t'es pas sérieux là. Si, tu l'ouvres, tu te TP sur moi. Là où j'étais. Tu l'ouvres, tu te TP sur moi si tu veux. Ça dit de Panzer Arm 5. En gros, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert. Genre. Si, je suis pas bon anglais, la porte qui est ici. Oui. Ah. Si tu te rates. Laisse-moi passer devant. T'as de la bouffe? Absolument si pas. J'ai pas de bouffe et j'ai faim. Intercom. Hurry, more parkour. Bon, on va encore sauter parce que le parkour, hein, chose qui n'a aucun rapport, mais c'est pas grave. Le parkour est une discipline de saut qui se fait en général dans les rues. Hein. Donc bon, c'est dodo. Tu dis dodo. Fais dodo dans le lit. Non, non mais ah si, voilà, fais dodo dans le lit. J'ai une fierté, là, tu vois, faut que j'arrive à la porte. Donc le parkour, c'est un sport d'origine française hein, qui a été inventé par les pompiers de Paris. Comme on a vu l'excellent film, si on peut dire ça, Yamakasi. Donc voilà, c'est un peu de le parcours, c'est de se déplacer dans son environnement en se servant de c'est le même environnement pour faire des choses plus ou moins utiles. Voilà. Bon, j'étais arrivé. Mais en fait, le problème c'est que si je vais tomber, je vais mourir. Problème c'est que je commence à avoir très faim. Bah ouais, mais je vais tout pouvoir courir dans pas longtemps. On peut pas aller directement là-bas. Pourquoi t'as pas cassé la neige là, avec le coffre? Mais tu dis que moi. Tu ne vois pas la neige. Ouais, je suis bilieux. Non, mais en fait, ton pack de texture, la neige, elle ressort simplement. Oui, j'ai un bon pack de texture. Hein. Comme vous voyez, vous, la neige, elle se voit bien quand même. Maintenant, on voit un coffre. Mais. Moi, la neige, ça fait à peu près la couleur du. Enfin, à peu près. Ça, quand on ne fait pas trop gaffe, ça fait la couleur du bloc des brunes. Ouais, je suis passé. Voilà. Ah, je suis tombé. Si je tombe, je me pète les deux genoux. Aux échelles qui est en face du mur que j'ai cassé déjà. Oh, je me Zelle n'a pas rebondi. est-ce que tu me vois là? Regarde où je regarde là. Regarde. Au-dessus de l'échelle, il y a un bloc de. Voilà, ah, c'est bon. Ok. J'étais arrivé. Tu vois les deux blocs là. Deux blocs là. Oui, je vois. J'étais là. Oh, bien. Pas moi. Mais bon. Je te laisse passer devant hein, parce que. Comme vous avez dû le remarquer, le saut c'est pas mon truc. Je suis meilleur en vrai. T'es meilleur en PVP aussi? Non, je suis pas meilleur en PVP. En parlant de ça, vous aurez qu'à. Vous aurez qu'à aller voir la vidéo de The Wall que j'aurai sûrement uploadée, hein, donc avec de nombreux problèmes. Mais bon, c'est ça qui fait que bon, c'est marrant. On va pas tout spoil, mais bon. Et qu'on passe du bon temps. On était avec d'excellents joueurs, hein. Entre les démissionnaires et puis les joueurs qui ne comprennent pas ce qui se passe quand ils meurent. Voilà, c'était suivi de problèmes techniques en plus, hein, un serveur qui fait que ce qu'il veut. C'était assez marrant, il n'y a pas à dire. Suivi d'une mort au bout de 20 ans. Là, faut que j'aille où, moi? Parce que j'ai deux endroits où je peux aller. Attends, je te rejoins. Soit sur la plateforme là-bas. Si t'es là où je pense, faut que t'ailles. D'accord, faut que t'ailles là. Attends une seconde. Suis la flèche. Où es-tu? La flèche. Là-bas, donc c'est la plateforme où il y a tout. T'es sûr que c'est pas sur ce bloc-là qu'il faut aller pour aller chercher les... Essaye. Parce que tous les coups, c'est un levier pour ouvrir la porte qui est sûrement là-haut et qu'on va être coincé. Ah, mais. Bon, on va essayer d'aller là. Oh, j'y suis. Putain, je suis encore trop droit. Je ne sais pas. Je vais te dire ça. C'est certainement un levier parce que je ne vois rien. C'est un coffre, donc on s'en fiche. Bah, remets-les moi. Ah! Quoi? Non. Tu es arrivé où? Ah, d'accord. Où es-tu? Ah, bah, en fait, je suis tombé d'un bloc, mais ça m'a tombé sur un autre bloc. Enfin, alors, moi, je suis sur le point de mourir. Hein. Donc, bon. Bah, suicide-toi au pire, si t'as dormi, tu restes. Bah, sinon, je peux t'aider à te suicider. Hein. Non, bah, attends. Mais tu gaspilles pas les flèches. Laisse-moi récupérer mes affaires. Putain, mon épée, elle a volé. C'est fait tirer dessus par Azel. Ça fait bizarre en français. Quand on a l'habitude de jouer en anglais, c'est particulier. Ah, ce tricheur! Ah, je t'ai vu! Azel a essayé de monter d'en bas. Non, mais non, j'ai déjà essayé dans une autre map, ça marche. Attends, pas. T'as déjà essayé et après c'est moi qui t'ose de tricheur. Ah oui, mais moi c'était pareil, c'était pour. C'est pas pareil, c'était pour la speedrun, la map. Comment s'appelle? C'était Elvilia, je crois, ouais, qui a fait. Speedrun, c'est pas. C'est qui avait fait? Le speedrun de quoi? Pour l'Ender Dragon. C'est Elvilia. Une excellente map d'ailleurs, hein, que je vous conseille. Tu l'as fait? Ah bah si, je l'ai fait. Hein. C'est juste extrêmement. Difficile parce que quand on voit les temps des autres joueurs qui connaissent absolument tout par cœur. T'avais Diamond Défi aussi qu'il a fait. Comment? Diamond Défi.
Diamond. Le truc qui s'était trouvé le diamant en rapidement possible. Ah, je l'ai pas vu ça. Bah, je crois que c'est lui qui avait lancé. Mais ça s'est fait par beaucoup de youtubeurs. Il y avait Pierre, etc. Ah, ah bon, et le but c'était de trouver du diamant. Enfin, tu lançais un chrono et t'arrêtais le chrono quand t'avais du diamant. Ah oui. Ah oui, si, si, je vois ce que c'est. Oui, oh, c'est moins marrant. Bah, c'est... Parce que le diamant, d'accord, c'est une ressource assez rare. Mais là, c'est vraiment la chance. Alors que l'Ender Dragon, il fallait vraiment une technique et une connaissance de la map, quand même, déjà. Une pré-connaissance de la map. Tu as été chercher le coffre ou pas? Quel coffre? Celui que j'ai essayé d'attraper tout à l'heure. Non. Ok, bah je vais continuer d'essayer. Je vais essayer d'arriver au... Ah! Ça fait 3 fois que je me rate. Ça y est, je suis là où je suis mort tout à l'heure. Et si je retombe, pareil, je vais crever, j'ai plus que 3 cœurs. Bah c'est pas grave, on a l'habitude de mourir. Bon, comme vous le voyez, cette map risque d'être assez longue en fait. Hein. Dernier saut, j'ai fini. Elle semblait assez facile, semblait, mais se trouve en fait être... Non, il se fout de ma gueule. Regarde là où je suis, regarde ce qu'il faut faire. Faut aller entre les deux là. Bah t'es en fait, t'es au fond d'une échelle et il y a une échelle qui est en face. T'es où? Là. Je vois pas. Il y a une échelle, tu l'as. Oh mon dieu. Bon courage. Attention. Ouh. Non mais ça passe pas trop mal je crois. Ouais, bah j'aime pas. Oh punaise. Je suis au sommet du sommet du monde. Sommet du monde. Mmh. Ça fait beaucoup de sommets dans une même phrase. Et en fait la porte est juste en levier qui est à côté. Ouais, j'essaye encore 2 coups si j'arrive pas. Non, je te laisse spinner. Pourquoi tu peux pas aller prendre le. Tu crois que si je saute comme un fou sur les échelles là-bas, ça peut me. Comment ça? T'es où? Oui, et ben. Si je fais un super saut d'amort qui tue pour arriver sur le pilier qui est là. Le pilier qui est où? Tu auras très mal aux jambes. Ouais, mais j'ai que 4 cœurs. J'essaye ou pas? Non. Je l'avais dit. Je t'avais dit de pas essayer. On va encore passer 40 minutes sur une seule salle. Ça fait déjà presque 20 minutes, on n'a pas réussi cette salle. Bah, attends. Mmh. Je peux aider. Hey, je suis allé ouvrir la porte. Hein, oh, je suis réussi. En même temps, c'est la première fois que j'essaye ce saut, je réussis du premier coup. C'est pas si mal. Non, j'ai réussi, mais je sais pas parler. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je parle. Faut que j'aille où là? Là-bas. Je te laisse sauter pour pas te. Oui, pour pas me stresser. C'est pas trop trop dur encore là. Là ça passe. Ah pardon. Bye. Blah, blah, blah. Mince. Ah, j'ai récupéré une épée en pierre. On se demande à quelle était. J'ai récupéré des flèches, mais j'ai. Ah si, bah tiens, j'ai un arc. J'ai 2 arcs. J'ai aussi, pareil moi. 2 arcs et 5 flèches. Très logique. Prends 5 flèches. En fait, c'est comme tu tires à côté, bah je peux récupérer une flèche. C'est surtout que tu m'as volé toutes mes flèches tout à l'heure. Bah, en même temps, t'es pas mourir. Hein. Ah, j'avais qu'à pas mourir. C'est pas je t'ai aidé. Ah oui, quand je t'ai. Voilà, tu m'as tué. Comment tu veux que je ne meure pas si tu me tues? On est censé être ensemble. Ah bon? C'est une map qui est censée être faite tout seul, mais c'est pas grave. C'est pas une coopération hostile? Pas du tout. C'est... Non, c'est pas une coopération hostile, c'est même pas une coopération. Ouh, il y a beaucoup de haut. Géant vert. Oui, on parle de Hulk. Aïe. Méo. Oignon. Ça devient presque rasoir. Oui, aïe, oignon. Cornichon. Saucisson. Ah, j'ai réussi. Non, je suis là. Je suis en train de péter les genoux. T'as juste sauté là ou t'as fait comment pour y aller sur l'échelle? J'essaie d'arriver. Pour aller sur l'échelle d'en face, t'avais fait comment? Tu t'en rappelles? D'échelle. D'échelle à échelle. Ah, tu sautes, tu avec le sneak ou pas? Sneak ou pas? Non, tu sautes. Tu sautes, tu maintiens l'espace et avancer, et puis ça passe. Je suis où là? D'accord, je suis pas loin. C'est le truc que j'avais réussi pour toi. Mais t'imagines le mec, il regarde sa vie, qu'il est dur, voyant son travail fini. Oui, alors là, Waffle Cake, il me semble que c'est ça son nom. Franchement, tu es très énervant. Le mec, le mec était content, c'est. On l'admire pour une map comme ça, hein, mais. Mais c'est. C'est absolument horrible. C'est toi qui n'as pas de lave en bas. Oui. Imagine, toi, ils auraient foutu de la lave au lieu de faire un sol. Oh mon dieu. Non, mais dans une vidéo prochaine, je risque de vous montrer une petite démo de mon donjon. Un donjon que j'ai fait avec l'aide d'Azeld pour les murs. Pour les murs, il a fait les murs. J'ai fait les murs. J'ai fait les murs. Je pour faire les murs. Voilà. C'est ce qu'on appelle un Mexicain.
Pourquoi j'ai pas sauté? Sinon, j'ai fait mon donjon personnel aussi. Et le donjon d'Azeld, je vous le présenterai, ou il vous le présentera s'il a le temps, c'est pas gagné. Il est beaucoup plus dur que le... Enfin, bref. Oui, alors oui, bien sûr. Moi, j'ai fait un donjon assez simple, mais qui utilise de la redstone. Alors que Azeld, lui, a fait un donjon qui, comment dire, est impossible. Hein. Mais je l'ai fini, moi, perso. Il faut environ 7 heures pour le réussir. Non, c'est pire qu'une aventure Pokémon. Il y a deux fois plus de salles que son donjon. Les seuls redstone qu'il y a, c'est pour les blocs communs. Voilà, la redstone ne sert à rien dans son donjon. Donc c'est juste des labyrinthes. Oui, c'est une série de plusieurs labyrinthes avec des thèmes, etc. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Bon, Tu es encore arrivé? Ouais, je suis en haut. Bah, si je me rate, j'arrive. Ouh, ça je garde et on n'a pas intérêt de crever. De quoi? Diamond Sword. Oh, sympa. Wait, we will need this. Il me dit que j'ai besoin de ça, donc... Ah, j'arrive. Wait. Ah bah non. Je récupère mes affaires et j'arrive. Bon, je parle pas l'anglais, moi. Ah bah attends, j'arrive. Wait, the scientific office is right. Hop là, on a rien vu. Ah bah forcément. Je retente le saut pour aller chercher le ça, là. Le coffre. Tricheur. On n'a rien vu, j'ai dit. Katé Brode aussi, hein. Ha ha. Et j'ai plus de boue. Cellmate. Quiet the science. Attends. Silence les scientifiques. Ouh là 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 là. Silence le labo des scientifiques qui est juste au-dessus de votre tête. Ah, c'est pour ça qu'il m'a dit Unit 10. Ok. Bouge pas. Attention, vous risquez d'avoir besoin de ceci. Ceci quoi? L'épée en diamant que j'ai pris. Ah, si tu la veux, j'ai mon épée en pierre, ça y est. J'ai 4 émeraudes si tu veux les garder ou que je crève, parce que là j'ai 4 cœurs et plus de bouffe. Vas-y, donne-moi ça, moi je suis à full. Mais je crois qu'il y a de quoi faire ici, non? C'est pas méchant, oh, ça. Oh, c'est beau dehors. C'est quoi? Oh là! On voit le... Je ne sens pas, regarde par la fenêtre. Oh mon dieu! Voilà. Ah, bah, ici on sent le sadisme, donc on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Hein, ça fait encore 20 minutes, le chrono est fini. J'ai juste envie de faire ça, quoi. Appuyez sur les deux leviers pour s'autodétruire. C'est écrit quoi ici? Oh mon dieu, comment avez-vous fait ça? Game over, pâle. Ouais. Ah, on dirait incroyable, on dirait comme je vais mourir ici. Comment? On dirait comme sur ta map perso, c'est le truc qui a rien à faire. Le truc qui a rien à faire, comment ça? Ah oui. Encore un truc qui a été bien fichu. Bon, on appuie. Allez, on appuie. Allez, on appuie et on finit la vidéo. T'en as activé un déjà? Wouhou, c'est la suite. Donc, vous allez attendre pour la suite. Oula. Bon, d'avoir le prochain épisode avec Az pour... Oh mon dieu. Bon, bah voilà. On vient de faire exploser la map. Je vous laisse admirer les trous. Hein. Ouais. Il n'y a plus que des trous, du coup. C'est déjà fini. Je ne sais pas si c'est fini, j'espère pas. Non, bah, ils ont passé la game. Donc si c'est fini, si c'est pas fini, je veux dire au revoir et à la prochaine. Et puis si c'est fini, bah en fait pas à la prochaine parce que du coup on se revoit dans quelques secondes. Allez, à plus. Salut.